Shalom les amis, Boker Tov, Bracha Vatzlacha depuis le Tzion de Rabbeinu, que des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem. Alors Rabbi Nathan, il nous donne un conseil extraordinaire. Il nous dit que maintenant, en fait, toute la philosophie, toute la littérature, toute la politique, tout ce qui a pu être écrit comme soi-disant des grandes idées dans le monde, en fait, toutes ces grandes idées-là, elles viennent que d'une seule chose, soit du désir de pouvoir, du désir de consommer. Elles ne viennent pas du tout d'un sentiment de connexion avec Dieu, ni d'une amélioration de l'individu. Tout est uniquement des applications de consommation. Alors il faut changer son pôle d'influence, il faut changer sa connexion. Il faut s'attacher à des enseignements qui viennent de l'absolu, c'est-à-dire d'Hachem, de l'infini. Et à ce moment-là, avec ces enseignements, on peut recevoir des applications, c'est-à-dire des traits de caractère et des pensées qui nous aident à avancer dans Avodat Hashem, Bezrat Hashem. Voilà les amis, une excellente journée, pleine de bénédictions, et que toute la joie, toutes les prières qui sont faites à Ouman en ce moment par ces milliers de gens, et tout ce Messirut Nefesh, ce don de soi, et ces gens qui sont dans des conditions de vie difficiles ici, que ça amène Bezrat Hashem, de la miséricorde d'Hashem, qui voit comment les gens ils donnent leur vie uniquement sur une parole du tzaddik.